de Philippe, 46 ans, vivant à Hare County, aux États-Unis, se souviendra longtemps de ce 7 juin 2018. Comme le rapporte la chaîne locale CBS 46, la quadragénaire a violemment été attaquée par un lynx, dans son jardin, tandis que sa petite fille dormait dans une chambre de la maison. Intriguée par la présence de l'animal, la victime l'a d'abord pris en photo avant de se rendre compte qu'il montrait des signes d'agressivité. Wa11 News, à toi 11, juin 16, 2018. Dès qu'il a fait le premier pas, j'ai compris que j'étais en difficulté, a-t-elle confié aux médias locaux. L'instinct de survie a donc pris le dessus, et Dot Philippe a immédiatement saisi le lynx au niveau des épaules afin de le plaquer au sol. Prête à tout pour sauver sa peau, elle l'a ensuite saisi à la gorge afin de l'étrangler. Si je l'avais lâché, il m'aurait tué. Je me suis assurée de ne pas le lâcher, raconte-t-elle. Cron 4 News, à Cron 4 News, juin 16, 2018.